Et Yamina, c'est Dridri, et on se retrouve enfin, oui, enfin, pour la suite de Pokémon Let's Go Evoli. J'ai enfin reçu. Alors, parce que j'avais mon nouveau casque, mais en fait, mon nouveau casque était un casque spécial, et ne pouvait pas. Mais non, je sais, je connais les shops. Et ne pouvait pas être reconnu comme étant un vrai casque. J'ai dû acheter un fil à côté, pour qu'ils prennent en compte. Pour faire enfin la suite et des futurs lives. Et oui, ça c'est cool. C'est cool. Mais ma photo? Ah non. Ah non, non, non. Non, je m'en bats les couilles. Mais bon, allez, on y va. Ah, ça fait plaisir de continuer en votre compagnie, les amis. Et oui. Et ouais, Tridri est de retour. Alors. Eh ben, on va te faire un charge. Un double pied, ça fera pas de dégâts. Voilà. Alors, on va mettre les points sur les i, sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va faire le let's play de Pokémon Let's Go Evoli. Des Solus pour les Pokémon rares, les légendaires et tout ce qu'il y a à côté. Il y aura bien sûr des chasses pour les Shiny. Et des combats contre des abonnés. Et bien sûr, vous savez que Super Smash Bros. Ultimate sort dans même pas. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, on est le 4 décembre. Il sort dans 3 jours. Dridri fera des combats contre les abonnés aussi. Ça, c'est bien. Allez. Tiens, mais qui voilà, c'est une dresseuse en herbe. Oui, c'est vrai, j'avoue. Moi, je suis un coach. Je suis l'un des coachs. Nous sommes un groupe de dresseurs répartis sur l'ensemble de la région. Et nous aidons les jeunes dresseuses comme toi à progresser. Ce n'est pas bon de vanter, mais nous autres coachs sont drôlement forts. N'hésite pas à faire appel à nous si tu veux tester ta force. Ok, et eh ben let's go. Et non. Ah, dresseuse en herbe. Tu as envie de tester ta force, je lis dans tes yeux. Ça te dirait que je te coach, tu n'as qu'à faire un petit combat. Ok, allez on y va. Donc ça c'est cool. En plus j'ai commencé à récupérer ma voix. Bon, pas à 100%, mais elle est quasi intacte. Oh, un bulle bizarre. Ok. Ça m'excite. Alors. Mais moi je veux un Salamèche. Est-ce que ça vaut le coup de mettre au cool? Ah, c'est bon, t'inquiète. Tu vas revenir. Ok, Vampigraine. Y a pas de souci. Y a pas de souci là-dessus. Alors, vu que je suis pas au niveau, est-ce que ma tornade lui fera des dégâts? On tente. On tente. Ok, ça pue la merde. Bon, lui aussi il est nul. Mais bon, ses dégâts plus Vampigraine. Et en plus, il aura un drain d'énergie. Donc en gros, il va nous sucer. Un truc vampirique. C'est un peu la merde. Est-ce qu'on repartirait pas sur Evoli? Parce que là, ça me fait yesh. Ça me fait drôlement yesh. Donc ouais, est-ce qu'on partirait pas sur Evoli? Ouais, allez. Allez, Evoli. Voilà. On va essayer de le défoncer. Tranquillement. Ce sera déjà plus puissant qu'une vulgaire tornade. Hein. Déjà ça. Et sa vampigraine nous cassera plus les couilles. C'est bon ça. Ça c'est même très très bon. Allez. Ah, ton bébé bizarre, il a voulu me casser les couilles. Mais il faut pas casser les couilles à Dridri. C'est Dridri qui te casse les couilles. Et ouais, mon gars. Eh ben, tu te défends bien.
1100 Poké-Dollars. Ah oui, c'est vrai. Oui, faut pas oublier dans les Pokémon que tu raquettes. N'y a qu'à moi à dire. Bravo. Ce n'est pas rien d'arriver à vaincre un coach comme moi. Tu as fait preuve d'une grande force. Aujourd'hui, ça mérite bien une petite récompense. Rappel. Oh. Oh cool. Oh trop cool. Les potions sont très pratiques. Mais elles peuvent rien contre les Pokémon KO. Heureusement, tu peux toujours compter sur les rappels pour les réanimer. Ça peut vraiment te sauver la mise en cas de problème. J'avoue, j'avoue. J'avoue. Bon, ben, on va continuer notre chemin. On va chercher. Voilà, la boule déjà ici. Alors, j'ai mis Bulbizarre qui me suit, hein, mais dès que j'ai Salamèche, c'est Salamèche, hein. On va s'emmerder là-dessus. Hein. 3 Pokéballs. Allez, viens là mon Pulpi, viens avec papa. Toi c'est avec les shorts, non? Eh, hey, t'as vu mon short, il est cool, hein? Tu veux le même? Non. Non, non, ça... je veux pas. Je m'en fous de ton short, tu sais. Je vais te déchirer ton short. Kelvin. Piafabec? Ok. Allez, Evoli. Fais le taf. Charge, allez. D'accord, ok. Evoli, la voix du shot. Evoli, il a fait le taf direct. Il a même pas cherché. Oh, mais pleure pas. Allons-y. On va faire un long épisode, on va faire la grotte et tout. Fais gaffe à mon nouveau Pokémon. Eh bah vas-y, ramène-toi. Nidoran. Mal, ok. On va tout continuer, on va continuer charge. Il fallait s'en douter que ça ne one-shot pas. Hein. Elle est sans douter. On va faire une attaque charge. Ah là, nickel. Nidoran, niveau, ton niveau 12. Ah, il va prendre morsure. Ah bah bien sûr. Bien sûr qu'on va lui faire apprendre morsure. On va lui faire oublier Mimikeu. Ah, et après morsure. Voilà! Crise d'acier niveau 10. Bon, attends qu'il évolue et après lui on le jarte parce que. Voilà. Bon, bah il en faut un nouveau pour combattre. Logiquement, il évolue au niveau 10, bah, c'est ce que j'allais dire. Crise d'acier évolue! On aurait un Papillusion. Et logiquement, Papillusion, quand il évolue, il apprend choc mental, non? C'était bien à l'époque, je l'utilisais lui pour faire chier Pierre. Pierre avec choc mental. Sachant qu'il est pas bon sur les dégâts, il est bon sur les dégâts physiques et non spé. C'était cool. Ah. Ok. Ses ailes sont enduites d'une poudre toxique imperméable lui permettant de voler sous la pluie. Ah bien! Ça, c'est un insecte qui déchire du cul! Et qui apprend choc mental aussi. Et qui apprend choc mental aussi. Et qui apprend pas choc mental. À moins qu'il apprend choc mental au niveau 11 ou 12. Je sais plus. Je sais plus. Bon, bah, on a baisé le Nidoran mâle. On a une évolution. Et. Ok. Nidoran femelle. Nidoran femelle. Ça, c'est cool. Ouais, si on n'a pas one shot celui de tout à l'heure, on va pas one shot la femelle. On n'a pas un niveau assez haut pour le one shot. Au revoir Nidoran. Au revoir. Bulbizarre niveau 5. Il apprend Fouillade. Nickel. Donc oui, en cas où pour ceux qui veulent savoir, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, parce que j'explique où avoir les trois starters. Je les ai sortis en avance.
parce que j'avais fait une autre vidéo à côté, enfin une autre partie, j'ai fait deux parties, et je vous explique où avoir les starters, bien sûr. Mais Bulbizarre est dans la forêt de Jade. Ils ont le taux le plus bas d'apparition, mais c'est ici qu'ils sont. Voilà, nickel. Voilà. Piaf, mon cul. Evoli, niveau 14. Jet de sable. Non, on s'en bat les couilles. Non, non, jet de sable, ça m'intéresse pas du tout. Et si vous me voyez pas en cam, c'est logique. C'est parce qu'il y a un bug de cam. Je vais essayer de régler ça assez rapidement. Donc voilà, on fouille, on essaye de faire des petites captures pour monter le niveau. Ah, c'est trop classe quand tu lances la Pokéball plus. On dirait que tu lances vraiment la Pokéball, c'est trop classe. Fais du bien. Bien de rejouer. T'es pas rentré toi. Sérieux. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah merde, y a pas d'excellent. Ok, 24 d'XP. Bon bah Bulbizarre up et Rukula up. Ça c'est bien. Je crois que c'est au niveau 16 qu'ils vont évoluer mon Nidoran mâle et femelle. Ouais, c'est niveau 16, bah les femelles, Nidoran. Allez, on récupère la petite, le petit flacon de parfum, ça c'est bon. Allez, on avance, on continue, tranquillou. Yaha, j'adore les shorts, viens de battre. Non. En fait, ici, ils sont abonnés aux shorts. Allez, Evoli. Ok. Ça a été rapide. C'est logique. Ni. Tu m'as taillé un short. Oui, fait ni. Tu m'as taillé un short. Bah oui. Je vais même te tailler un string, si tu veux. Et toi, tu veux combattre? T'es dresseuse? Attaque! Le mec, même pas il me provoque, il me regarde de l'autre côté, il s'en fout. Il est en train de regarder le décor. À moins qu'il était intéressé par le mec en short. Peut-être. C'est ce que je suis en train de me dire. Tu es intéressé par le mec en short? Je m'en doutais. Ok. Nidoran niveau 12. Coup de corne. Ah, ça je veux bien. Le place de puissance. Ouais, le place de puissance parce que pic-pic ça peut servir encore un petit peu. C'est pas fort, mais ça peut encore servir. Donc. Plutôt ça. Avec un autre Pokémon, j'aurais gagné. Mais je pense pas. Non, non, t'aurais pas gagné. Si tu veux, il a trouvé quelque chose. Oh, Beframbi. Oh, ça c'est pas mal. Un Rattata avec une aura, donc c'est un Rattata taille maxi. Ok. Est-ce qu'on le prend? Il y a pas un Pokémon que j'ai pas ici? Ah, j'ai pas vu. Piafabec, lui je l'ai. Mais on va le capturer quand même. Oh, ça c'était joli ça. Ah oui. Oh, c'était un beau petit lancer sympathique. Qu'est-ce que t'as fait? T'as touché. Excellente. Là le excellente, ça fait plaisir. Mais Piafabec, on l'a déjà lui. Ouais.
Bon allez Ratata, t'es un taille maxi, ça fait de l'XP, on te prend. Allez, excellent, nice. Oh non, putain, j'avais fait un bon petit lancer sympathique. Je suis dégoûté. Allez, rentre. Rentre. Rota. Ok. Ball. Allez. Bien que je fais que des excellents, tu devrais rentrer pour ça. Ah bien. XP. Oh c'est pas mal, ça monte un peu mon Bulbizarre. Il en a besoin Bulbizarre. Ok. Nice. Ok, un Ratata, Piafabek, Ratata. Y'a rien d'autre ici? Pas un Pokémon que j'ai pas? On va faire plaisir. Allez, faites-moi plaisir. Un Pokémon que j'ai pas. Un. Juste un. Et pas vos radins. Oh lui je l'ai pas. C'est le bruit d'Abo ça. Ah oui mais je le reconnais ton bruit Abo quand même. Les bruits de la première gêne je les connais. Oh bien joué. Bien joué le Abo. Ouh. Allez. Ça fera un joli Arbok. Ah oui, je compte remplir le Pokédex. Hein. Pour ceux qui veulent savoir, oui, le Pokédex, on compte le remplir. Pour avoir le charme Chroma. Comme dans tous les Pokémon. Alors, lui il est âgé, plus son corps est long. La nuit, il s'enroule autour des branches d'arbres pour se reposer. Bien. Bon, on a un Abo, ça c'est Piafabek qui nous a agressé. Non, j'ai Fabek, on l'a déjà. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. On a eu Abo. Encore lui. Allez. Faites pas vos radins. Faites pas vos radins. Allez, allez, allez. Nickel. Nickel. Allez. On avance un peu. Ah ça c'est un coach. Salut. Tu sais que je suis... C'est ce que je suis j'imagine. Eh oui, un coach. Dis, tu veux pas t'échouper un peu avant de franchir mon zénith? Ouais, allez, vas-y, je vais te dérouiller. Go. Mohamed. Ah, oh, Miaouz, bien. Oh, j'aimerais bien voir un Persian, tiens. Un magnifique Persian. Double pied. Il va prendre cher. Ah, oh, on pourra pas. Ah, oh, on l'aura pas vaincu d'un coup. Mais Miaou, c'est plus rapide que nous, donc il va relancer un jackpot. Allez.
Bien, 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 bien. Ok. C'est beau le combat. Tiens, un petit cadeau. Ah, jackpot! Ah bah nickel. Ça c'est bien ça. On tient la capacité des jackpots. Tu feras de la thune, des flouzes, des pépettes. Comme son nom l'indique, elle permet de gagner des sous. Ah bien. Ça c'est bien. Là, tu fais pas de combat, toi? Sérieuse? Oui, je pensais que j'avais trébuché sur une pierre, mais c'était un racaillou. Ah. Bon, elle, elle combat pas. Ouais. Ok. C'est quoi ça? Une corde de sortie. Et toi? Je suis venu de très loin jusqu'au mont Sénith pour trouver des Pokémon à chevaucher. Apparemment, il y a des Pokémon comme Onyx qui nous laissent monter dessus. Oui, Onyx, tu peux chevaucher, ça j'avais vu dans des vidéos. Et c'est ici qu'il y a le mec qui donne Magikarp aussi, non? Je dis pas de conneries. On 500 Poké-Dollars, je crois. Et moi, Magikarp, je le veux dans ma team. Je le veux dans ma team, Roya. Je crois que c'est le vieux au fond. Lui, il donne pas. La Team Rocket, c'est encore attaqué à Azurian. Ok. C'est peut-être le vieux là-bas au fond. Lui, je crois pas que c'est le gamin. Je pense que c'est le vieux au fond. Ok, c'est pas lui. Ok. Bonjour, ami. J'ai une super affaire à te proposer. Je t'offre un Magikarp juste contre 500 Poké-Dollars. Qu'en dis-tu? Mais grave. Vous vous êtes fait avoir. Et acheter le Magikarp. Ah, le bâtard. Yeah, Magikarp. Magikarp, 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 Magikarp. C'est l'air un peu pour son inutilité. On en trouve beaucoup dans les océans, les étranges, les étangs, les rivières et tout autre. Ok, d'accord. Ah, j'avais du mal à lire son Pokédex à lui. Ah, le bâtard. Ok. Là, il y a un rond doudou. Quand tu veux capturer un Pokémon, regarde la couleur du cercle. Ok. Oui, non, mais je connais, j'ai vu connu Pokémon Go, donc je vois ce que c'est. Alors, donc maintenant, on est dans la boîte Pokémon. Récupérer. Mais on va retirer Papillusion. Désolé, Papillusion. Mais je veux mon Magikarp. 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 Voilà. Yeah, Magikarp! Eh ouais, bébé. Eh ouais, mon gars. Oh! Mais c'est le Meowth de la Team Rocket, ça, non? Tu penses que c'est lui? Non, rien non plus par ici. Il y en a peut-être plus loin. Dis donc, morveuse, on t'a jamais dit que c'était mal poli d'écouter aux portes? Ah bah bravo, je croyais que Miaouss était censé monter la garde. Miaouss. Ah, ils l'ont pas fait parler, c'est dommage. Il paraît qu'il y a des fossiles rares enterrés dans le coin. Mais bats les pattes, ils sont pour nous. Toi, tu prends tes clics et tes claques et tu t'arraches si tu veux pas que je si tu veux pas te manger des claques, justement. Ouais, on va trouver les fossiles et on va se faire plein de fric avec. Oh, ils vont se faire plein de fric avec. Et t'as plein béton. Ok. Oh. Yaous. Yaous. Mais pourquoi je peux pas le Paras? Il y a un Paras par terre, regardez. Je peux pas lancer le combat contre Paras. Paras, il a bugué. Putain, à chaque fois que je joue à un jeu, il faut toujours que je les fasse bugger ces jeux. Bon bah viens là, Racaillou.
Ok. Allez! Ah, ça monte bien de niveau, ça. Un petit racaillou. Racaillou! Racaillou! On en trouve près des sentiers de montagne. Tu veux marcher par-dessus par une inadvertance, il s'énerve et attaque. C'est un vilain racaillou. Hein. Ah ouais, lui, il nous chope de loin, eh. Ah ouais, lui, nous, il veut nous pécho. Il y a des racailles qui traînent dans la grotte. T'en es une, toi? Non. Ken, le scout. Au couteau, donc Ken. On va voir si j'ai une tête de racaille, moi. Non, mais oh. Allez. Charge. Oh, ça fait pas mal. Allez, vive attaque. Voilà. Roucoule 14, Nidoran 13, bien. Et Magikarp va monter. Ah, tu m'as eu? Ça, c'est bien, 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 regarde. Allez, une petite. Oh, des super boules même! Ouais, mais je préfère les Pokéballs. Je vous jure. Un Parasse! Ah, là, on peut! Celui de tout à l'heure, on pouvait pas. Eh, le bruit du Parasse ressemble étrangement à celui de Mewtwo. Quasi. Par rapport au son. Ok, bon, toi tu veux nous casser les couilles. Là. Yeah. Nice. Allez, un Parasse. Un nouveau Pokémon dans le Dex. Ça fait plaisir. Ok, nouveau Pokémon. Donc ça c'est cool. Au moins on a un Parasse. Il nous aurait qui ici. Il y a des Onyx dans la grotte, ça je m'en doute. Le mec il en a parlé aussi, et il faut s'en douter. Monte au niveau 10. Mais bizarre. Bien. Et on a un Parasse. Il s'enfuit pour ronger des racines. Mais ce sont les champignons sur son dos qui absorbent presque tous les nutriments. Oh le pauvre! Il bouffe et c'est même pas lui qui se nourrit au final, c'est ces deux putains de champignons sur le dos. Oh le bâtard. Allez. Alors. Un chétif là. Ah bah oui. Ah bah oui, tu t'es fait défoncer, chétif là. Non, j'ai perdu. Ah bah oui, t'as perdu. Ah oui, bah oui, bah oui. Ah lui, on l'a pas. Je sais que tout le monde déteste les grottes à cause des Nosferalti, mais moi je le veux juste pour la collection. Là! Ah bâtard, il bouge trop. Eh vas-y, continue à bouger, je te défonce. Ta mère! Ah bah lui, oui, vas-y là. Bah lui il veut bien rentrer dedans du premier coup lui ce connard. Allez. Il émet des ultrasons pour se diriger et éviter les obstacles sur son trajet. Bien. Ça c'est cool. Mais c'est qu'elle est rapide!
Là, il y a un escalier. Là, on va descendre pour voir ce qu'il y a. Il y a un scientifique du style, à mon avis, de Tadmor, Voltobre. Toutes ces merdes-là. Oh, tu me cherches ou quoi? Mais non, je te cherche pas. La vie de ma mère que non. Rémi sans amis. Voilà ce que j'avais dit, Tadmor, Voltobre. C'est le genre de Pokémon qu'il a. Ok. Double pied servira à rien, donc on va faire une attaque charge. Nice. Zim l'empoisonne en plus. T'es sérieux? T'es sérieux là d'empoisonner mon Pokémon comme ça? Il est pas débile ce mec. Allez. Au revoir Tadmorb. C'est ton seul Pokémon en plus. Allez, bouffe. Un Pokémon est nul. Ou le dresseur surtout, je dirais. Le dresseur. Parce que Tadmorb, il est pas nul, il est bien. Est-ce que j'ai quelque chose? L'antidote. Voilà, on enlève le poison. Après, j'en ai plus. Hein. Ah, tu tombes pas empoisonné. Faut traverser cette grotte pour aller à Azuria. T'inquiète, je le sais. Allez, Evoli! Ouais, je sais, j'ai crié. Mais je m'y crois trop de temps. Il balance son Evoli tranquille comme ça, en mode t'attaque, bing bim. Et fais ressinge, casse-toi, tu pues. J'ai perdu. Mais oui, t'as perdu. Tu l'as eu dans le cul, si tu crus. Une dose d'huile. C'est quoi ça? The fuck. C'est considéré comme un soin. Ok. Repousse. Je pense que c'est l'item le moins utile du jeu, la repousse. Parce que, sincèrement, je sais pas quoi ça va servir. Là, c'est la montée. Ok, donc on va prendre l'échelle après. Là, on passe par où? Là, on descend. Ok. James, il est à gauche. Ça, c'est pour nous dire qu'il faut aller là-bas. Mais nous, on va là. Ok. Allez, Bulby, suis-moi. Bulby, 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 bizarre. Oh! Un gars de cette Team Rocket! Qu'est-ce que tu fous là? Super bonbon. Ouais, mais ça, je m'en bats les steaks du super bonbon. Allez! La Team Rocket? C'est nous, les voleurs de Pokémon! Oh, trop classe! Oh, trop classe! Allez, Evoli! Occupe-toi de ce ratata, de malheur. Montre-lui qui est le papa. Allez. Du one shot. C'était trop simple. Non, j'ai perdu. Allez. Ah. Quelqu'un qui joue à Splatoon 2. Pas bien ça. On se déconne. Vous aimez les jeux que vous voulez, les amis. Moi, je suis pas fan de Splatoon. Bon, ça trop enfantin. Je suis pas trop fan. Allez. On avance. Oula. C'est plus grand que ce que je croyais ici. Allez, Myriam. Ah, t'as le nom d'une grand-mère. Oh, un Mélophée. Si je trouve un Mélophée, je te jure que je le pécho sa mère.
pourrais faire un double pied, mais je crois pas que ça fera des dégâts. Et fera pas mal. J'aurais dû passer sur charge. J'aurais dû avoir une attaque de type acier. Tu veux baisser mes stats, toi? Allez, dégage. Merci. Oh, Nidoran 14. Bubizarre, bien. Ah, j'ai perdu. Bah, ouais, ma petite Myriam. Tu t'es fait défoncer le cul. Mais tu vas arrêter de nous suivre, oui? Ok, bon, on va prendre l'échelle pour se barrer. On est un peu plus en bas. Histoire de récupérer s'il y a quelque chose en bas. Un item ou une connerie. Un mélofé! Ah bah là, on le prend. Bien, bien, bien. Le mélofé, il le faut. Pour une future team, c'est bien parce que c'est un bon Pokémon assez puissant. Enfin, je pense que je le mettrai dans une des futures teams. 191 XP. Ouh. Ça fait plaisir, ça. Cruel, ouais. La place de jet de sable. Voilà. Nickel. Niveau 14 pour le Nidoran mâle. Et 8... notre cher Magikorp. Allez. Adoré pas pour son aspect mignon et joyeux, on le supposera, car on le voit très peu. Autant dire, j'ai appuyé comme un taré. Une pépite, bon ça c'est à vendre, et j'y crois dans un gros bruit. Oh ma zette! Oh t'es gros! Oh bah oui, t'es gros. Allez, toi je te veux. Ah, il faut viser sa tête. Ok. Je vais viser ta sale gueule. Ouais, mais comme il était loin, j'aurais peut-être dû lancer avant. Allez. Là. Merde. Nickel. On a Onyx. Voilà. Allez. Il creuse la terre à toute allure en quête de nourriture. Ces tunnels servent de maison au topiqueur. Oh, bien. Ok, bon bah ça c'est bien. On continue notre aventure. Toi aussi, t'es là pour explorer la grotte? Ouais, pour défoncer la gueule à Team Rocket. Sur 12A. Allez. Un petit sablette. Un petit sablé au chocolat. Ah non, tu m'empoisonnes pas la vie de ta mère. Non, 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 s'il te plaît, j'ai pas d'antidote. J'ai pas d'antidote. Nickel. Perde, c'est trop nul. Bah oui, perde, c'est trop nul, bah oui. Là, il y a un montagnard qui va nous agresser. Waouh, tu m'as fait peur, hein? Mais t'es super jeune. T'es pas un pédophile, hein? T'es pas me tripoter? Marcos.
Ok, allez go. Un double pied. Une attaque charge, ça va le tuer, hein. Voilà. Encore ça? Non, bah on change pas, alors. Qu'est-ce qu'on va faire sur ta gueule? Un double pied. Dans le plaisir d'avoir fait un coup critique même... Oh, puis il reste un gramme. C'est dégueulasse, il reste un gramme. Vas-y, allez. Une vive attaque. Parce qu'elle est classe. Oh, le connard. Oh, j'ai loupé. Allez. Nickel. Ça, c'est bien. Voilà, on a vécu. Waouh, tu m'as encore fait peur. Ok. Ah, j'étais en train de regarder un truc en même temps à côté. Désolé. Alors. Là, une Pokéball. Lui, je crois pas qu'il va nous agresser là-haut. Je crois que c'est pas un mec qui agresse. Oh, tu as une belle collection de Pokéball, dis. C'est bien. Tu devrais revenir me voir si t'as un stock comme ça. Comment ça? Pourquoi? Oh monsieur. Ah là c'est Miaouz maintenant. Et Jesse, James et là c'est Miaouz. Mia. Oh bah. T'es venu vers moi, allez, on va te prendre. Ça fait de l'XP quand même. Et rentre. Allez, ça s'est nous fait encore un doute. Allez, on avance. En plus, vous m'entendez bien avec ce nouveau micro qui a une meilleure qualité par rapport au son. Mais j'en attends encore un autre nouveau qui va venir. Et encore meilleur. Allez. Donc on va passer par où? Allez, on va là. Ah, Team Rocket. Ça bosse dur ici. Alors du balai. Ok. Ben, c'est moi qui va t'éjecter d'ici, hein. Alors, pour savoir où on va s'arrêter dans cet épisode, ce sera une fois que la grotte est terminée. Donc, dès qu'on sort de la grotte, on va cesser. Toi, qu'est-ce que tu veux dans la gueule? Ben, une charge. Ah, j'ai pas de morsure contre toi avec Evoli. Evoli, pour l'instant, il est tranquille. Lui, il fait la game. Voilà. Evoli, c'est le beau gosse. Et le beau gosse de la game. Morsure. Donc, une capacité. On va oublier rugissement. Ouais. Nickel. Ah, t'aurais dû apprendre morsure avant. T'aurais dû apprendre morsure avant. Tu me fais chier, Voli, tu me fais chier.
Oh non, j'y crois pas. J'aurais pu vachement me rendre mort sur avant. Bon, allez, on avance. Ah! Et mate un peu ce truc noir là-bas. Ce serait pas un fossile? Ah, si, sûrement. Miaous, va chercher! Mia? Miaous, arrête de faire des histoires et va chercher le fossile. Ok. Hey Miaous, sois un bon pépère. Mais pourquoi personne n'écoute jamais ce que je dis? Ok. J'aime bien soit un bon pépère. Ah, ça me fait délirer cette phrase. Moi, mon chat, je l'appelle le pépère. Ah, j'aime bien. Trop sympa. Allez, encore un paras. Oh, ça lui a traversé les fesses. Là, il m'agresse en plus. Dans la poche? Nickel. Voilà. Allez, on avance. Ah merde, mais je me suis trompé de sens. Non, Onyx, casse-toi. Bon, on va le capturer. Ah, mais tu vas arrêter. Allez, tu vas rentrer. Ah, il veut pas rentrer lui. Sois gentil pépère. Si je t'appelle pépère, t'aimes bien pépère? Bien. Ok, nickel. On va passer comme ça. Un gars de la Team Rocket. Un gars de la Team Rocket. Nickel. Les mioches ne devraient pas fourrer leur nez dans les affaires des grands. Oh yeah! Encore un Team Rocket. Pff, je vais ralti. Tu te fous de ma gueule, ma grande, là. Allez, one shot. Nidoran niveau 15. Je vais prendre coup de main. Non. Coup de main, ça m'intéresse pas. Je suis épuisé. Va te coucher. Voilà. Le gars des fossiles est là. C'est quoi ça? J'ai pas eu. Ah, le mélofé. Bon, bah, on va prendre mélofé. Allez, on te capture. Allez,
histoire d'avoir un petit peu d'XP. Nickel. Vous avez attrapé Amelofé. Nickel. Allez, toi tu vas dans la boîte. Tu vas dans le PC. Et toi t'étais. Ok. Ah, il était spécial, c'était un XL ou machin. Ok. Allez. C'est pas grave. Et toi là, ces fois-ci sont à moi. Ok. Mais moi je vais en prendre un, je vais en moins. Parfaitement. Les deux. Donc pas touche. Ok. Et si j'en veux un, moi? Nickel. Il y a moyen qu'on gagne. Magnéti. Bon, on va continuer comme ça. Un coup de charge devrait lui faire mal. Ah non, même double pied. Oh, ça va le one shot. Et ouais, mon gars. Et ouais. Bon, ok, on partage. Ouais, dans la pub de Kinder Bueno, partage. Ok, ok, on peut partager, chacun le sien. Comme ça, pas de jaloux. Moi, je veux celui de droite parce que c'est celui qu'a en Pokémon Giovanni. Fossil Dome, ouais. Ouais, je veux lui. Voilà, ok, je prends l'autre alors. Bon, ça, ça fait de l'XP, je prends. Oh merde, j'ai fait un petit lancer de merde. Ok. Tu veux commencer à me casser les coucougnettes, toi? Tu veux casser les couilles à papa, toi? Ok. Allez. Ah mais il veut pas hein. Ah il va il veut emmerder Dridri. Il veut emmerder Dridri lui. Allez. Ouais mais je veux le capturer, c'est chiant. Ah vas-y, allez, prends une baie et ferme ta bouche. Oh le fils de... Oh l'enfoiré. Eh là. Oh putain, ça c'est Team Rocket ça. Ah Jesse et James. Je parie, c'est ça. Wow. Passez vite. Ce fossile est propriété de la Team Rocket. Mais comment t'avais pu arriver ici avant nous? Nous sommes la Team Rocket, je suis Jesse. Et moi James. Et moi Mia aussi. Et ce fossile, il est à notre nom dessus. Enfin, c'est comme si. Alors on va le récupérer. Oh trop bien. Comme dans l'animé. Nickel. Alors, ce qu'on va faire, une morsure sur Smogo et une attaque cruelle sur Smogo.
acide. Oh, ça touche les cheveux. Smogo la trouille. Nickel. Donc Smogo, c'est bon. Là, il pourra pas taper parce qu'on est plus rapide que lui. Et on lui a mis la trouille, donc c'est nickel. Voilà, comme ça, il est KO. Ça, c'est cool. Niveau 16, recoule. Ce qu'il faut. Ça, c'est bien. On va pas changer les attaques, on va faire les mêmes. Cruel. Nice. Abou était moins costaud. Ça c'est sûr. C'est une blague. Cette mioche a gagné. La Team Rocket à la vitesse de la lumière. Ok. Oh merde. Ah, j'y ai monté dessus. Désolé. Allez, on monte là-haut. Et on va avoir terminé, je crois, la grotte, donc c'est bon. L'épisode aura duré quasi une heure. Bon, bah voilà les amis, nous on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On a bien avancé. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.